Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Job. Au chapitre 35. Job 35. Verset 3 à 7. Kino Sambo. Nous allons nous lever pour lire. Job 35, 3 à 7. Quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? Wana ozali koloba ekosunga ngai na nini pe ezali na litomba nini na kosumuka. C'est à toi que je vais répondre. Ezali epai na yo nde na koyanola. Et à tes amis en même temps. Pe na baninga na yo na mbala moko. Considère les cieux et regarde. Tala balola pe omona. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Tala mapata lokola yango ekokita likolo na yo. Si tu pêches, soko yo osumuki, quel tort lui causes-tu? Beba nini yo osaleliye? Et quand tes péchés se multiplient, pe wana masumu na yo mazali kofuluka, que lui fais-tu? Yango ekosala ye nini? Verset 7. Zela kotanga sambo. Si tu es juste, soko ozamo yenge ben, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet de ce soir, nous le tuerons du verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Hier, nous avons vu le sujet « Construis-moi ». Dieu nous a construits. Et nous sommes dans sa maison. Étant nous-mêmes des pierres qu'il a utilisées pour bâtir cette maison. Et nous qui sommes le temple de Dieu, nous venons ici nous réunir pour l'adorer. Et en venant ici, il veut que nous puissions aussi lui bâtir cette maison physique. Et si Dieu avait mis au cœur de son serviteur le berger, pour dire aux saints de bâtir une maison à Dieu, chacun doit comprendre que cette maison, ce n'est pas la maison du berger, c'est ta maison. C'est ta propre maison. C'est là où tu adores Dieu. Mais une chose est certaine. Quand les hommes construisent leur propre maison, il y en a qui, dans 6 mois, dans une année,
Dans une année et demie, il termine toute la construction. Et il va même s'installer dans cette maison. Mais pour bâtir la maison de Dieu, c'est là que beaucoup de gens ont toujours de la lourdeur dans leur cœur. Ils ont de la lourdeur. Or, chaque berger veut toujours voir les enfants de Dieu adorer Dieu dans de bonnes conditions. Dans les brochures, nous voyons comment le prophète parlait aussi de l'extension du tabernacle. Pour faire une extension, y mettre un balcon, mettre dans l'église des climatiseurs, pour que les enfants de Dieu, tous puissent adorer Dieu dans de meilleures conditions. Si tu peux bâtir ta propre maison dans une année, dans 2 ans, dans 6 mois, quand on nous demande de bâtir la maison de Dieu, l'assemblée, il ne faut pas regarder aux autres. C'est toi que Dieu engage pour lui bâtir cette maison. Jamais les autres sont en train d'adorer dedans, d'autres sous les coups de vent dehors, d'autres sous la poussière et la pluie. Mais cette maison, c'est ta maison. Le prophète dit que chaque croyant doit avoir une église qu'il appelle mon église. Jamais être un vagabond qui n'a pas d'assemblée locale. Il faut avoir une église que tu appelles mon église. Là où tu adores. Là où tu payes ta dîme. Là où tu payes tes offrandes. Et tu appelles cela mon église. Oui. C'est ton église. C'est là que Dieu t'a appelé. Cela, c'est dans le discernement de l'esprit. J'ai écrit cela pour vous le lire. Au paragraphe 18. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Chaque croyant doit avoir
son église locale. Mondimi, na mondimi, asengeli azo ekelesi na yamboka. Et il est obligé de payer sa dîme. Paye atinda mina makas kofuta moko na zomi na ye. Payer ses offrandes. Kofuta makabuna ye. Et soutenir l'œuvre de Dieu. Paye kosimba musala ngo yanzamba. Tout ce qu'on nous demande de faire, nyonso ba kosenga kosala, c'est toi qui dois le faire. Yonde osengeli kosala yango. Pas quelqu'un d'autre. Moto mususu te. Nous n'avons pas de direction ici sur la terre. Biso tozali na ba direction a te na mabele. Où on va nous envoyer de l'argent pour arranger notre balcon. Pour finir l'extension derrière. Non. C'est toi le membre local qui doit faire cela. Pas quelqu'un d'autre. C'est ton église. Beaucoup de gens disent: Dieu m'a béni. Avant, j'ai souffert en tout cas. Pour nouer les deux bouts du mois, je peinais. Mais pour le moment, je mange trois repas. Matin, midi et soir. Dieu m'a béni. Oui, Iyo. Nous acceptons que Dieu t'a béni, frère. Oui, ma soeur, Dieu t'a réellement béni. Maintenant, notre sujet ici, c'est une question. Si toi tu es juste, comme tu dis que tu es un homme juste, si toi tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Quoi? Puisqu'il a un livre de souvenirs où il enregistre tout ce que tu fais. Même un petit geste que l'homme fait pour l'avancement du royaume, cela est enregistré au ciel. Un livre de souvenirs. Malachie 3:16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Dans le livre des souvenirs, le jour où le malheur t'atteindra, quel souvenir pourras-tu rappeler à ton Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi, car j'avais fait ceci ou cela pour toi. Quel souvenir vas-tu lui dire? Quel cadeau a-t-il reçu de ta main? Tu te vantes comment tu es béni. D'autres arrivent même à dire: moi je suis très intelligent. Je sais comment chercher l'argent. Et je suis fort pour effectuer des voyages, aller chercher l'argent. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton intelligence. Si tu as de l'argent aujourd'hui, c'est
Ce n'est même pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Tu n'es qu'un simple gérant. Tu gères les richesses d'autrui. Et tu dois savoir comment utiliser cela. Comment celui qui n'a pas de moyens donne l'offrande de 1000 francs. Toi le millionnaire aussi. Yo yo zana ba million. Tu donnes Loko. Aussi 1000 francs à Dieu o. comme offrande. Oko pesa pe 1000 francs lokola makabo. Quand on dit nous allons prélever de l'argent pour la construction. To sengeli kolokota mboko mbongo pona botongami. Tu n'as même pas cela dans ton cœur. Tu donnes comme quelqu'un qui n'a rien. Pendant que dans la Bible, Jésus avait témoigné de la veuve. Dans Luc 21, versets 1 à 4. Luc 21, 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces d'argent. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car, pour les autres, c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, les superflus, les miettes. Ah, bitika wana. Non, des miettes, de leur argent de poche, les miettes, c'est ça qu'ils ont donné. Oui. Pombulu na bangwana. Tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Ba inyoso wana ba chaki makabo kachi na de leur superflu. Wuta na pombulu na bango. Mais elle, kasi ye, la pauvre veuve, mais Mwashwana, elle, mokufel mopale ya mobola, ye. Elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle donna tout à Dieu. Cela me rappelle même le témoignage de Frère Franck. Ici même à Kinshasa en 1980. Devant les serviteurs de Dieu, on lui posait des questions. Arrivé sur la question des dîmes, il répondit en donnant son témoignage. C'était en 1980. Que dit-il? Allô, Bakinini. Je vais lire le serviteur de Dieu. Nakotanga musali nzamba. Il dit, avant ce temps-là, j'étais vraiment pauvre. Allô, pi, liboso na tango wana nazaki penza mobola. J'avais une vieille véwe. Nazalaki na véwe moko ya kala. Et je ne donnais rien à Dieu. Pe nazaki kopesa loko moko te na nzamba. Et Dieu ne m'a donné aussi rien. Ainsi, j'étais un homme pauvre. Et je disais, si je garde l'argent, c'est très bien. Si je garde l'argent à la banque, c'est très bien. C'est mon argent. Écoutez. Boyoka. Un jour,
Au mois de mai 1976. Na sanza ya mitano 1976. Le Seigneur me parla et dit. Kola lopela kingai pe alobaki nangai. Tu dois donner tout ce que tu as pour mon œuvre. Otindami na makasi ko pesa nyonso ozui pona musala nangai. Et alors, je te bénirai. Na bongo na sima na kopambula yo. Là, c'est Dieu qui parla. Wana zambe nde alobaki. Tu dois donner tout ce que tu as. Pour mon œuvre. Et alors, je te bénirai. Et alors, j'ai appelé ma famille ensemble. Et j'ai dit, cet après-midi, j'irai à la banque et je donnerai tous les milliers que j'ai là-bas au Seigneur. Cet après-midi. Aujourd'hui même. Cet après-midi. J'irai à la banque. Et je donnerai tous les milliers que j'ai là-bas au Seigneur. C'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai donné tout ce que j'avais à Dieu pour son œuvre, il a ouvert les écluses des cieux. Il a ouvert les écluses et les portes des cieux. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. Dieu m'a richement béni. Le même Dieu qui bénit son serviteur, c'est le Dieu que tu adores. Comment ta maison? Tu peux la bâtir dans 6 mois, dans 2 ans. Puisque Dieu t'a donné des moyens. Qu'en est-il de cette maison? Là où tu viens pour être nourri spirituellement. Tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est à cause de la parole qui t'est prêchée ici. Puisque nombreux sont ceux-là qui étaient les plus mauvais de la société. Le plus mauvais de la famille. Le plus mauvais de la rue. L'avenue là où ils habitent. Le plus mauvais du quartier. Même au service, tu mettais les gens mal à l'aise. Mais à cause de la nourriture spirituelle que tu reçois ici, quand cela a pénétré ton cœur, et Christ agit dans ta vie, tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de la parole. Maintenant, regarde la maison où tu adores. Depuis que le projet est en train de stagner, le projet stagne. Le dimanche, si tu sors là-bas, tu verras comment il y a beaucoup de gens sous le soleil. Pendant que Dieu t'a donné le moyen pour lui bâtir une maison, pour parachever cette maison, il dit à son serviteur, tu dois donner tout ce que tu as pour mon œuvre, et alors je te bénirai. Et en conclusion, il dit au serviteur, si vous voulez, frère, serviteur, le serviteur qui était réuni là. Si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, donnez d'abord à Dieu. Et alors,
Il va ouvrir les écluses des cieux. Ainsi donnez vos dîmes. Souvent, ce sont les gagne-peu qui payent la dîme régulièrement. Régulièrement. Si Dieu te donne plus, c'est lui Dieu qui t'a donné. Sa part est dans ce qu'il t'a donné là. Oui. Yo. Tout le monde ici, vous connaissez Malachi 3. Concernant le paiement des dîmes et des offrandes, cet argent, c'est l'argent qu'on rend à celui qui nous l'a donné. Ce n'est pas ton argent. Même si tu lui dois $1,000,000, ce n'est pas ton argent. Comme il t'a donné 10 millions, le 1,000,000 là, c'est à lui. Ce n'est pas ton argent. Il n'y a même pas à s'enorgueillir. Pour dire, moi je donne beaucoup. Non! C'est l'argent d'autrui que tu rends au propriétaire. Malachi 3. Depuis le verset 7 jusqu'au verset 12. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Les deux. C'est pour lui. Les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Oh, moi je suis celui qui paye beaucoup. Non. Ce n'est pas ton argent. Dans ce que Dieu t'a donné, il te demande de lui rendre le 1/10. Quiconque ne paye pas la dîme doit accepter son erreur ce soir. Tu dois rendre à Dieu le 1/10. Oh, je suis riche.
Parce que je travaille beaucoup. Oui, tu n'as pas la camine. Je voyage beaucoup. Na kopemba mingi. Je suis très sage. Na zali penza moti ya bwanya. Je suis très intelligent moi. Na zali penza ngai moti ya mayele. La Bible te montre. Bibili yako talisa yo. Dans Proverbe 10. Na masese zomi. Verset 22. Zela kotanga tukumi bala mibale. D'où vient ta richesse? Bozina yo e uti wapi? Proverbe 10, 22. Masese zomi tukumi bala na mibale. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ezalinde le pambole yango ya Yahweh nde ezuisaka bozui. Oui. Iyo. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Zali le pambole yango ya Yahweh nde pesaka bozui. Pourquoi cela n'est pas donné à tous? Bona nini wana pesami na bansote? Lui-même a voulu te donner. Yemoko akanaki ko pesa yo. Il faut être reconnaissant vers Dieu. Sengeli ozala na matondi epai na ye. Il faut être reconnaissant vers les donateurs. Sengeli ozala na matondi epai ya mopesi. Dans Ésaïe 45. Na Isaïa tukumine ina mitano. Verset 7. Zela kotanga sambo. Dieu dit, je donne la prospérité. Zamba lopie na pesaka bofuluki. Lui-même donne la prospérité. Yemoko a pesaka bofuluki. Cela ne vient pas de toi. Yangwe uti na yote. Ça ne vient pas de ta force. E uti tena bokasi na yo. 1 Samuel chapitre 2. Moko Samuel mokapami bale. Verset 7. Zela kotanga sambo. L'Éternel appauvrit Yahweh a pesa kabobola et il enrichit. Pe azui sakape. Il abaisse. Azali kokitisa. Et il élève. Pe azali kotombola. C'est Dieu qui t'a enrichi. Zambende azui sekio. Ne néglige pas sa maison. Kochola tenda konaye. C'est lui qui t'a enrichi. Ezali yende a pesa kyo bozu yango. Jean chapitre 3, verset 27. Jean 3, verset 27. L'homme reçoit seulement ce qui lui a été donné d'en haut. Oui. Iyo. Personne ne peut se glorifier pour les biens matériels qu'il a. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. La Bible dit, qu'est-ce que toi tu as et que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu possèdes dans tes mains? Et que tu n'as pas reçu? Et revenons encore dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 3. Masese mukapu ya misato. Écoutez ce que dit la Bible. Boyoka yango Biblia ekoloba. Au verset 16. Mulonga kutanga zomi na mutoba. Dans sa droite. Kati na loboko ya mobali. Et une longue vie. Ezwami bomo imoko ya mulayi. Dans sa gauche. Sont la richesse et la gloire. C'est Dieu qui donne. Frère Branham parlait souvent du frère John Charite. Il y a 5 ou 6 endroits où il parle de ce frère-là. Ce frère était un casseur de pierre, vendant du gravier sur la rue, gagnant très peu d'argent par jour. Il commença à épargner pendant 10 ans pour s'acheter une parcelle. Et
Et il acheta cela. Sa femme était stérile, ne mettait pas au monde. 17 ans dans le mariage sans enfant. Un jour, dans sa nouvelle maison, Dieu lui parla dans un songe. Ton pasteur Siton qui est en train de te prêcher la parole. Siton, le nom de Siton. Ah, Siton. Siton, oui, à côté, il n'a pas de maison. Azuinda côté. Offre-lui cette maison. Prends seulement ta valise. Zoka ka valise na yo. Et laisse tout. Petit kanyos. Pour mon serviteur. Pona musali na ngai. Quand il s'est réveillé, tango ala mukaki, il a parlé à sa femme. Alobela ki mwasi na ye. Chérie, mulingani, écoute ce que Dieu vient de me dire. Yoka ya ngozamba uti kolobela ngai. Nous devons céder cette maison à notre pasteur. La sœur dit Amen. Obéissons à ce que Dieu vient de donner comme ordre. Le frère appela le pasteur, lui donna et les documents de la maison et les clés. Frère, alors, Deko. Maintenant, tu vas vivre où? Ça, c'est mieux que Wapi. Dis non. Dieu m'a dit Zamba, alors, Nangai, de t'offrir cette maison. Yako, pese, ondako, lui-même, Yemok, il prendra soin de moi. Yemoko, akozo, mukuma, Nangai. Le frère est sorti de la maison. Deko, abimaki, utandako, wana. Il s'est retrouvé dans un garage d'une femme riche. Akutamaki na garage moko ya mwasi moko muzui. L'autre l'a gardé là-bas disant tu dois seulement arroser la pelouse de ma parcelle. Monsieur Soba batela ke kuna lobi okomangisa kaka pelouse ya lopango na ngai. Cette femme là. Mwasi wana. Tu restes, tu ne vas rien payer mais tu vas seulement entretenir ma parcelle. Okotika la kofuta elokote kasi okobongisa kaka lopango na ngai. Comme il vivait la parole de Dieu. Cette femme-là, la propriétaire de la parcelle-là, elle a réellement vu Jésus dans la vie de ce frère et dans la vie de sa femme. Un chrétien vit une vie pure. Une vie de crainte de Dieu. Ce n'est pas une personne conflictuelle. Des troubles. Non. Un chrétien vit en paix avec ses voisins. Cette femme-là, en causant avec Frère Charit, Dieu la visita. Zambe ayaki kotala ye. Elle alla chercher aussi une Bible. Elle commença elle aussi à lire la Bible. Dieu lui fit grâce de découvrir ce qui avait fait de ce couple, ce que ce couple-là était. Ce qui a fait que Charité et sa femme soient de la manière qu'il vivait là. Elle découvrit cela. Elle comprit que ce sont les Écritures saintes qui ont fait de cet homme, de cette femme, ce qu'ils sont. Elle aussi crut. Et Dieu est venu aussi la visiter pour lui dire donne à Charit. Pesana Charit. $10,000. Qu'il fasse le business. Asala mumbongo. Il va te payer ton argent. Akofuta yombongo nayo. Quand la femme s'est réveillée, natangu mwasi ala mukaki, elle n'a pas hésité. Akakata nakite. Frère Charit. Deko Charit. Prends le chèque. Kamata chèque.
va retirer 10 000 dollars à la banque. Kendozo 10 000 na banque. Et fais le business. Pesala na ngomo mbongo. Dieu m'a dit de te donner car tu vas me rembourser après. Zamba lobi na ngana pesa yo kozongi silangai na sima. Charité dit non. Charité lobi te? Moi dame, toute ma vie. Dans ma vie, je n'ai jamais touché 10 000 dollars. Comment puis-je prendre beaucoup d'argent comme ça? Non. La femme dit, je te rassure. Dieu m'a dit de te donner cet argent. Avec insistance. Et le frère accepta le chèque. Il pria Dieu. En passant, il vit qu'on vendait une maison à 2000 dollars. Il a acheté. Il a cherché de bons peintres pour rénover la maison. Et après, il s'est mis aussi à la revendre. Un client vint. Et paya 6 000 dollars. Paya futaki 6 000 dollars. Pour cette maison-là. Ponanda quoi? Que le frère avait eu à 2 000. Oyonde quoi? Asomba qui na 2 000. L'affaire a commencé. Likambo ebanda kiwana. Le business a commencé. Mbongo pe ebanda kiwana. Il a acheté encore une autre maison là-bas. Akina kosomba na musukuda. Pe musukuda. Il a appelé les peintres. Bianga ki ba peintre. Il a commencé à revendre. Abanda ki koteka yango lisusu. Il alla payer les 10 000 d'autrui. Et il continua avec les affaires. Dans peu de temps, notre frère devint millionnaire. Il avait beaucoup de biens à Phoenix. Phoenix était comme c'était sa ville que lui avait bâti. Beaucoup de maisons. Beaucoup de gens qui étaient là étaient ses locataires en ce moment-là. Il avait des plantations. Il cultivait le coton. Il cultivait les pommes. Et il s'est retrouvé avec 1500 travailleurs. Et sa femme commença à mettre au monde. Et ils eurent 5 enfants. Il est allé un jour avec de l'argent donné au prophète Branham pour soutenir les campagnes d'évangélisation. Frère Branham lui dit, non frère, moi je n'accepte jamais cela. Je ne prends pas cet argent. Le frère dit, laisse-moi t'expliquer. Ne m'empêche pas de recevoir les bénédictions. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'avais donné à mon pasteur ma maison. Dans Actes chapitre 20, Acte 20, verset 35. Acte 20, 35. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon frère, tu empêches la bénédiction de Dieu sur les gens. Sur les gens. Si quelqu'un t'apporte quelque chose en tant que serviteur de Dieu, ne refuse pas. Dieu veut le bénir. Prends. Cela corrigea le prophète. Et il se souvint aussi de la veuve qui avait donné seulement 2 pièces d'argent. Il s'est dit, si c'était moi, j'allais dire, non, ma soeur, ne fais pas ça. Garde ça pour toi. Parce que tu n'as rien à la maison. Mais notre Seigneur l'a laissé faire. Et il dit,
Aujourd'hui, le frère est devenu multimillionnaire en dollars. Le londe quoi comme multimillionnaire en dollars. Avec 1500 travailleurs. Na 1500 basali. Et il ajouta Babakisaki que le frère paye. Et tende quoi futaka de 2 à 3 millions de dollars. Ah, 2 à 3 millions de dollars. De dîmes par an. De dîmes par an. Moko na zomi na mubu. Chaque année. À cause du fait de donner. Nantina ya lolenge ya kopesa. 2 à 3 millions de dollars. De dîmes. 2 à 3 millions de dollars. Ya moko na zomi. Le frère, Deko, chaque fois qu'il recevait l'argent, il n'oubliait pas le 1/10 de Dieu. Et Dieu continuait à le bénir. Et Dieu continuait à le bénir. Il y a une bénédiction quand on soutient l'œuvre de Dieu. Le 1/10, c'est ce que tu lui rends. Dans le 9 qui reste, c'est là où tu dois donner des offrandes à Dieu. Amen. C'est là où tu vas aider celui qui est dans les besoins. Jamais tu vois le frère. Tous les jours, il n'a qu'un seul pantalon et un seul polo. Tu vois comme tu ne le vois pas. Toi, tu changes les habits. La soeur qui se met à côté de toi souvent et n'a qu'un seul ensemble. Et tu fermes les yeux. Ça, ce n'est pas chrétien. Dans les 9 qui restent là, il y a l'offrande à donner à Dieu. Il y a aussi l'aide à ceux qui souffrent, qui souffrent, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Il y a une bénédiction en faisant cela. Et c'est ça la meilleure religion d'ailleurs. C'est ça réellement la chrétienté. Aider les pauvres. Aider ceux qui souffrent. Te mettre à la place de l'autre. L'aider. Et en aidant ce pauvre, la Bible dit que tu es en train d'apprêter à Dieu. Et te yo vous allez qu'on défie ensemble. Oui. Yo. Je sais que peut-être tu as fait l'économie. Na ibitango mususu yo bombaki. Tu as fait l'économie. Vous savez économie? Tu as fait l'économie. Vous savez économie? Et tu aimes beaucoup économiser. Olinga kamienge ko bomba misolo. Mais kasi avec la parole de Dieu, il ne faut pas fermer les yeux au pauvre qui est à côté de toi. Il n'y a personne d'autre qui va l'aider en dehors de toi. Oui. Puisque l'Écriture nous dit dans Proverbe 11, 24. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès
ne fait que s'appauvrir. Peo ya bomba ka na kolekisandelo azalika ka kokoma mobola. Beaucoup de gens qui étaient riches. Batumingi bazaki bazui. Comme ils fermaient les yeux aux pauvres. Lokola bazaki kokangamisa na babola. Comme ils ne tiraient pas attention pour rendre à Dieu un dixième de Dieu. Lokola bazaki kosala bokebite pona kozongisa moko na zomi epai na nzambe. Proverbe 23 s'est accompli sur eux. Masese tukumi bala misato ekokusama ki pona bango. Proverbe 23, verset 4 à 5, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Jambi bozui, misale la kama papo, loko la mpongo, woye ekozwa kopimbo nango nalona. Et âgé nous dit, et âgé alobi na biso, à ceux-là qui ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu, na bayoye balinga kite kosunga musala na nzambe. Ceux qui oublient la construction du temple de Dieu, yan tempelo ya nzambe. Dieu leur dit dans Agé 1. Zamba lobina bango na Agé moko. Nous lisons depuis le verset 2. Tokotanga kobanda mulongo ya mibale. Agé 1 depuis le verset 2. Agé moko kobanda mulongo ya mibale. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oye koloba yawo na mampinga. Ce peuple dit. Liboto yeloba. Le temps n'est pas venu. Tango eyeyite. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Tango ya kotonga lisusu ndako ya yawo. C'est pourquoi la parole d'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le futi ya yewoyo azali abombaka ekoyaka na libenga oyo tobami. Oui. Yo. Aujourd'hui, tu refuses de payer à Dieu sa dîme. Un jour, Mokolo moko, il va récupérer yako zwango, cet argent-là. Misolowana. Tu vas te retrouver devant des problèmes qui vont demander beaucoup de dépenses. Et en fin de compte, suka, tu vas me commencer à vendre tes costumes. À vendre tes souliers. Tu te retrouves seulement en sandales. L'argent est parti. Dieu a récupéré. Pour donner une leçon aux autres. Pour qu'ils craignent Dieu. Qu'ils sachent que tout ce que nous avons, nous ne sommes que des simples gérants. Il faut honorer Dieu avec tous nos biens. Tout. Nous devons donner à Dieu le meilleur. Donnons à Dieu le meilleur. Mon frère, ma soeur. Comme j'ai parlé. Lokola na lobaki. En 2017, j'étais ici. En 2017, na zakiao. Vous aviez commencé à bâtir les balcons à ce moment-là. Na tangwana bobandaki kotonga balcon. Je suis revenu en 2022. Na zongi na 2022. J'ai trouvé que les balcons n'étaient toujours pas terminés. Na kutika ka balcon esili kaka te? Non. Te? Ça ne peut pas être ainsi. Et ko kite kozala bongo. Nous sommes une maison spirituelle. Des hommes spirituels. Nous savons très bien que peut-être la mort peut nous arriver.
Nous connaissons très bien la mentalité de nos gens, nos frères congolais. Les païens vont commencer à se disputer tes biens. Et toi, tu es déjà parti. Ce sont tes frères païens qui vont commencer à rouler dans ta jupe, qui vont arracher ceci, cela. Et le prophète avait raison. Dans les questions et réponses sur les sept sceaux. La question 2. Question réponse sur les sept sceaux. Mitunape biyano. Il dit. Allobi. Mieux vaut. Il est qui malam? Le jour où Jésus viendra. Mokolo yeso akozonga. Trouver que l'argent que tu avais. Kokutete misolo yo zalaki na. Tu lui as bâti l'église. Otonga ki ekelesia. Et la poche est restée vide. Pema benga matikali polele. Plutôt que Jésus vienne. Et se trouve avec des poches remplies d'argent. Nous n'irons pas avec cela au ciel. Amen. Prends à cœur cette œuvre. L'extension qui est derrière moi. Ici. Prends cela à cœur, mon frère. Amen. Ce n'est pas seulement ici où vous baptisez. Dans beaucoup d'églises, Dieu est en train d'appeler. Il est en train d'appeler. Puisque nous n'irons pas dans l'élèvement, tant que le dernier élu n'est pas encore construit dans cet édifice vivant, dans le corps du Christ. Tant qu'il n'est pas encore là, puisque le corps de Christ n'est pas encore phénoménal, le corps du Christ n'a pas de manquement, de paralysie ou quoi. C'est un corps complet. Il faut que le dernier prenne place. Là où nous sommes, nous tous, il faut que lui aussi, le dernier là, dès qu'il entre, nous partons. Mon frère, ma soeur, si tu es juste, que lui donnes-tu? Qu'est-ce que Dieu reçoit de ta main? Dans le livre de souvenirs, quel souvenir as-tu? Quel cadeau lui as-tu déjà donné pour le rappeler ce jour-là? Seigneur, assiste-moi. Considère même le peu là que j'avais fait pour toi. J'avais divisé mon compte par deux pour que l'extension de ton église soit complète. Et en plus de cela, Seigneur, j'avais carrelé toute la salle. Puisque tu m'avais béni, n'est-ce pas, je t'avais aussi rendu de cette bénédiction que toi tu m'avais donnée. Aujourd'hui, regarde ce qui m'arrive, Seigneur. Souviens-toi de moi. Il va regarder dans le livre. Avant de terminer, j'aimerais vous lire quelque chose dans Luc. Au chapitre 7. Luc chapitre 7. Luca mukapwasambo. Il y a là quelque chose. Zami loko mokoana. Concernant le centenier romain. Kotelaka moko na mukama ya Roma. Depuis le tout premier verset.
jusqu'au verset 10. Cet homme avait beaucoup de militaires qu'il conduisait. Et c'est lui, le militaire que lui aimait beaucoup, qui travaillait chez lui. Il était très attaqué, très malade. Au point même de mourir. Mais cet homme avait entendu parler de Jésus. Et il envoya quelques anciens des Juifs pour prier le Seigneur à venir guérir son serviteur qui était malade. Et au verset 4, ces envoyés-là arrivèrent auprès de Jésus. Écoutez, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Disant, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Abongi ete. Souvenir. Souvenir, verset 5. Il mérite que tu lui accordes cela. Car Jambi. Il aime notre nation. Ye, azo linga, ekolo na biso. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Pe ezali yende atonga ki yanga nelo na biso. Amen. Amen. Il aime les Juifs. Ya linga ka Bayuda. Et de deux. C'est lui qui a bâti l'église. Jésus, comme il était Dieu, il a vu dans les livres de souvenirs et réellement cet homme avait fait cela. Il alla chez lui pour guérir son malade. L'homme accueillit le Seigneur là-dehors. Il dit, de même que les militaires se soumettent à moi, c'est comme cela que les démons se soumettent aussi à toi. Je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Prononce seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Jésus lui accorda cela sans entrer dans la maison. Quand cet homme est arrivé à la maison, verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Quel cadeau donnes-tu à Dieu? Que reçoit-il de ta main? De tout ce que Dieu t'a donné. De tout ce que Dieu a fait pour toi. Terminons avec la sœur Dorcas. Dans Acte 9. Verset 36 et 41. Cette sœur. Soutenez l'œuvre de Dieu dans l'église locale. Il a habillé les veuves. Il les aidait sérieusement. Une courte maladie et elle mourut. Les veuves crièrent à Dieu. Qui va nous habiller encore? Dieu ait pitié de nous. Zambe yokela biso mawa. Et pitié de nous. Yokela biso mawa. Et on envoya quelques disciples pour aller appeler Pierre. Pe batinda ke moi bayeko le babyanga petelo. Qu'il puisse arriver à Jopé. A comme na Jopé. Prier pour notre sœur qui était morte. Abonde la pona ndeko na biso ya mwaso ya kufaki. Au verset 39, quand Pierre est arrivé à Jopé. La Bible dit, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Le souvenir. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas
pendant qu'il était avec elle. Pe batalisaki ye bilamba oyo Dorcas azaki kosala wana azaki na bango. Bien-aimé. Balingami. Quand Pierre a prié pour cette sœur. Tango Peter wa bonda kipona de komasi wana. Notre sœur revint à la vie. De konabisi ya mwasi azonga kina bomoi. Puisque Dieu avait déjà reçu quelque chose de sa main. Wetenzamba cela ki koyamba loko moko utalo boko na ye. Toutes les fois que tu fais quelque chose pour l'un de ces petits, c'est pour Jésus que tu le fais. Bambala nyoso, osalaka eloko moko, pona bamikoyo, ezali pona Yesu nde osalaka yango. Elle ne donnait pas aux veuves, mais elle donnait à Jésus. Ya zale ki kopesa te, na basi bakufeli mibali, kasi azali kopesa epai na Yesu. Elle n'aidait pas les pauvres, mais elle donner à Dieu. Azai ko sunga bobola te, kasi azai ko pesa epa ya Nzambe. Si tu es juste. Soko za moyenge ben. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Ini ango sala kapona ye. Qu'est-ce que Dieu reçoit de ta main? Ini ango Nzambe yamba ko talo boko na yo. Et sa maison. Penda ko na ye. Qui veux-tu qu'il vienne la bâtir? Yo lingi nani aye ko tonga ango. Pendant que Dieu t'a donné les moyens. Wana Nzambe pesa ke yomba koki. Que lui donnes-tu? Nini angwa kupesa ye? Que reçoit-il de ta main? Nini angwa yamba ko talo boko na yo? Togo tilema. Levono. Avant de prier, Philippiens, Mokapunango, Mwamine. Philippiens, en son chapitre 4e. Israke, Thomas Paolo, Kokomelaba, Philippiens, Denge Mokope, Nabisuna, pourquoi lelo? C'était l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens comme à nous ce soir. Namulongo Moazomi Namoko. Au verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ezalite nantina ya babo senga na ngai nde nazali koloba bongo. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Jambi na yekolaki kozala na esengo kati na lolenge oyo nako kutama. Je vais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Naibiko bika kati na kosokema pe naibiko bika kati na bofuluki. En tout. Kati na nyoso. Et partout. Pe na bisika nyoso. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Naiyokola ke ya kotondi sama pe ya kozwa nzala. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Ya kozala kati na bofulu kipe, kozala kati na bozangi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Azoko kanyoso na yewoyo akoye sanga makasi. Verset 17. Zela kotanga zomi na sambo. Ce n'est pas que je cherche les dons. Ezalite ete na koluka luka makabo. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Kasi nazali koluka luka bumango oyo ezali kofuluka pona ntina na bino. Quant à moi, pona wetalingai, j'ai tout reçu. Ayamba kinyoso.
Et je suis dans l'abondance. Je te tremble. En recevant par Épaphrodite. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que c'est clair. Des fois, quand un serviteur de Dieu a été abissé au Makambomana, des fois, lorsque le serviteur de Dieu nous prêche ces choses, surtout un serviteur de la place. Un serviteur de la place. Comme moi, je suis là. Ça paraît comme si nous cherchons que ces jours ici, l'argent n'entre pas et commence à crier pour que l'argent puisse entrer. Mais ce que vous l'avez dit bien, mais si vous suivez bien, lobby, hier, parole, moko introduction est en amaké. Une parole d'introduction est élue. Mais l'homme de Dieu, quand c'est ensemble, allez, il n'est pas passé hier. Azuka parole en introduction. Il a considéré cette parole d'introduction. Par cette parole d'introduction. Mais Lélo. Mais aujourd'hui. Parole sous introduction est en amal. Une autre parole d'introduction a été lue. Mais Koyanaye. Mais en arrivant. Tangoya Matiawa. Lorsqu'il est monté. Il n'a pas fait allusion à cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Du début jusqu'à la fin. Et Pandelikinosuka. Et Loko Moussous. Autre chose. Mais la chose, nous ne sommes pas convenus avec lui. Depuis le matin, nous ne sommes pas appelés. Nous ne sommes retrouvés qu'ici. Mais si vous suivez bien, c'est une parole appropriée. En son temps. Pour moi. Pour toi, pour lui, pour nous, pour vous, pour l'air. Recevons-la seulement et mettons cela en pratique. Dieu n'amènera personne au jugement. Amen. En jugement. Sans d'abord l'avertir. Sa façon de faire. Toujours d'avertir. Il envoie toujours un avertissement. Avant que le jugement tombe. Il n'a pas besoin de nous juger. De nous frapper. Des malédictions. Mais Dieu a de bons projets pour nous. De bonheur et de prospérité. Pourquoi vous voyez? Il nous rappelle ces choses. Des fois, aujourd'hui, chacun a sa manière de vivre. Et tambolate. Mais ça ne marche pas. Il essaie comme ça, si ça ne marche qui pas. Qui sait? Si la cause, c'est celle-ci. Mais maintenant qu'on a trouvé la cause, il faut que ça la traite. Il faut que la cause soit traitée. Et ensuite, Penasima. La guérison. Que nous puissions expérimenter la guérison. La guérison, c'est quoi? Guérison, les écluses
prise des cieux Manini se alola puisse s'ouvrir et que les dieux qui ne m'ont point répand asopa déverse asopa pas nabagout pas dans des gouttes et à matangati pas des gouttes à répandre qui le répandent. Il y a différence ce que gouttière et tangisa matanga. La différence c'est la gouttière fait. Mais ici Dieu ne dit pas que a copé sango na bagoute. Mais ici Dieu ne dit pas qu'il va donner mais ezane a ko répand. C'est qu'il va répandre la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Et la Bible dit que Bible le biété. Chacun de nous a ko luka esika ya ko bomba. Il cherchera où garder. Et si il y a goti à ma pambo liwana. Là où il mettra ses bénédictions. Lorsque l'abondance. Et chacun à son niveau. À son rang. Ne faut pas qu'on envie quelqu'un d'autre. Ne faut jamais envier quelqu'un d'autre. C'est-à-dire bénédiction yanjoku. C'est-à-dire la bénédiction d'un éléphant. C'est seulement pour l'éléphant. Que la souris ne cherche pas la bénédiction d'un éléphant. Parce que les gens mondenge. Parce qu'aujourd'hui, si on lui donne le défi. Tala mondenge la souris, voici le défi. Ya mondenge. Vous avez vu que vous avez fait équatorial, vous avez vu. Et vous avez vu colossal, vous avez ce qui est ici. Comme ça. Mbuku ya kakolia. Souris, viens manger. Aokokate. Il ne pourra alors, pas. Elle va dire non, c'est trop grand. Seigneur, elle est qui ça, c'est trop grand. Mais comment Bouma Yamasanguna l'osso et Zokoyawana? Mais des petits crânes de maïs. Si la souris tombe dessus, tu entreras comment elle va chanter. Quelle est ce que tu as? Quelle joie c'est? C'est-à-dire, il y a une bénédiction. C'est là sa bénédiction à elle. L'éléphant vient. Akutiata moi hein boule mi balé à fufu. Il trouve peut-être des boules de fufu. Il ne va pas manger ça. Alors lui on est quoi là? Manger ça, ça ne va pas me convenir. Moi je mange pas. Moi j'entre dans le champ. Si quoi yo manioc et nyoso zawana. Nazako picola. Alors j'ai des racines. Je sais que je suis béni aujourd'hui. Comme chacun a son niveau de bénédiction. Comme chacun a son niveau de bénédiction. Ce n'est pas de l'envie. Non. Ce qui est kaka oza na bokebi. Si tu as l'attention, tu verras seulement à partir de la chose que tu as fait. Même la petite. Dieu bénit cela. Bobuki mabanga wana. Les casseurs de pierre là. Zambe apambola ki. Dieu l'a béni. Et frère Branham a fait appel du solo ya. Colgate. Et frère Branham me raconte aussi au sujet de Colgate. Vous avez marqué Colgate. Vous avez marqué Colgate. Dentifrice. Dentifrice. Alors, Moutouana Zagnan, cordonnier. Cet homme-là était quoi? Cordonnier. Moubambi Masapat. Un cordonnier. C'est un Américain, Moubambi Yabasapat. Un Américain, mais cordonnier. Mais il est comme millionnaire. Mais il est devenu millionnaire. On a justifié la parole de Dieu. Pour justifier c'est la bénédiction de Yahvé qui a enrichi. Mais elle n'est pas molée Yahya où on est causé sa bosue. Frère, n'a ma camboyo. Frère, dans ces choses. N'a pas négocié la nante comme moi. J'ai causé avec un frère. N'a pas oublié que pendant Zambé a pambola. J'ai dit. N'a pas oublié Yamokirio yo. Pour que Dieu pénisse dans des choses. En réalité, ils ont singaté kaka ozala moana naie qui ont dimeli. En réalité, ça ne demande pas que tu sois réellement son fils. Seulement que tu sois son fils. Seulement que tu sois son fils. Né de nouveau. Oh, y a beaucoup de musique. Non. Il y a des Américains. Les Américains. Les Américains. Y a qui des ont compris. Bah, bah, so Adabasa Miragati. Même s'ils ne prient pas. Bah, ils ont un dixième nabango. Ils donnent leur Yamisala un dixième de toutes leurs œuvres. Et Dieu tient sa parole. Benzamba Simba Kalobanaye. Il bénit ces hommes-là. Mais leurs âmes, elles ont un rapport à la salité aujourd'hui. Mais par rapport au salut que tu as. Mais matériellement, mais matériellement bah, ils sont bénis.
Mais biso d'abord, tu es béni spirituellement. Mais nous d'abord, nous sommes bénis spirituellement. Ah, mais biso est béni, tu es koyoko yango. Notre âme est bénie, nous venons de l'entendre. Par la foi. C'est la condition. Oh mon, tu as la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Mais deux fois physiquement. Mais deux fois physiquement. Nous avons des difficultés dans nos corps. Tu as mis kakata nous dans notre biso. Et peut-être il y a quelque chose qui manque. Sauver. Mais tous allez obéir à sa parole. Mais nous n'obéissons pas à sa parole. Et vous obéissez de la biso bah nuit. Ça peut nous attirer des ennuis. Et aussi, nous pouvons être bénis spirituellement dans l'âme. Spirituellement dans l'âme. Nous portons de bons fruits. En tant que de vrais croyants. Et ensuite, physiquement en bonne santé. Mais des fois, matériellement. Et zotambulate. Ça ne marche pas. Ce n'est pas que chacun de nous attend dans le congélateur. Ce n'est pas que chacun de nous peut s'appeler dans le congélateur pour avoir. Mais chacun doit palper. Quand même, il y a ça là, Dieu m'a béni. Quand même, la chose qui fait qu'ils disent que Dieu. Parce que puis on pense toujours ça, mais ça là, parce que tous nous ne faisons pas le même travail. Occupations, d'habitude, sont ikesenis. Nos occupations sont différentes. Mais chacun a senti à expérimenter ce Dieu là. Mais chacun doit expérimenter ce Dieu là. Que n'a moins l'eau à Pamboli. Dieu aussi a béni. Il ne faut pas qu'on t'aille à Oyokuna, à Pamboline, à Pamboline, à Okunanga. Il ne faut pas regarder à Pambola Yoga, à niveau Nayoana. Il va te bénir à ton niveau là. Yango Moni. Vous voyez? Même les noms. Même aujourd'hui. Nakomaki. Nazan a traité à téléphone Nangaya, Nakumiraki de Gomoko et moi aussi. J'ai mon téléphone et j'ai écrit à une sœur. Et ça, ma Kamboy. Ce sont ces choses. Mais elle n'est pas de notre église sur place ici. Elle n'est pas de notre église. Mais elle est de notre église universelle. Mais ailleurs, dans un pays lointain, étranger. Frère, ma soeur. Cette soeur m'a payé un billet d'avion. Pour l'œuvre de Dieu. Tel que je venais ici, je venais d'avoir ça. C'est ça. $1,600. Les voici. 1600 dollars. Ce soir, n'importe où, je viens d'avoir ça. Kende ne sika songolo. Va. Natielio, 1600 dollars. Soyango. Sokoza ina mobembo pour la sango malamo. Si tu es en voyage missionnaire, na yo, kende kote. Fout ton billet, va prêcher. Si vous soyez ngai na fouti ticket. Maintenant, si moi j'ai payé le ticket. Bon, on va construire qui soit à Zosiris. L'argent de concession il termine ça. Mais bon, on est où tu loin? Mais cet argent vient loin. Mais tu as versé, oui, on a tangé Sika. Mais tu as tangé la qui est, je l'ai écrit ça. Je l'ai écrit. Et puis, il y a Bakisaki, deuxième verset. J'ai ajouté le deuxième verset. J'ai ajouté le deuxième verset. Pour la gouta, il s'est que Zangate. Pour lui montrer que ce n'est pas moi. Mais que le Moussaraye Moko Amona. Mais que le propriétaire de l'œuvre voie. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Moi, je ne vais pas te rendre. Mais lui a vu cela. Il va te le rendre. Dans deux gens. Si je n'ai pas oublié. Oui, je crois que c'est trois. Trois gens. Allô, Biboy. Il dit ceci. D'abord, on a commencé verset 2. D'abord, je l'ai écrit le verset 2. Bien-aimé, Molingami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Bezala, katinanzoto kolongono. Comme prospère l'état de ton âme. Prospère et kofuluka. Ah ouais, mon esprit est. Voyez, ici il y a trois choses. Batangi santé. On a physique. Santé physique. Et santé de l'âme. Et santé de l'âme. Plus matériel. Plus matériel. Trois choses. Bilokomisat.
je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité d'abord, matangi yango, et sois en bonne santé. Kobela bela te, sois en bonne santé. Ne pas tomber malade, mais sois en bonne santé. En bonne santé comment? En bonne santé comment? Ami, mais comment prospère l'état de ton âme? Ton âme est sauvée. Ton âme est prospère. Elle porte le fruit digne à l'évangile. Ton âme est devenue une âme obéissante. Et tu es en bonne santé, sans péché, sans quoi, dans ton âme, tu crois chaque parole de Dieu. Et aussi, il faut que ton corps soit aussi en bonne santé. Et après tout, tu prospères à tous égards. Ezra, moi, bassin, oya foufou, au prospère. Que ce soit avec ton bassin de foufou. Ezra, na moi, jardin, oya ngaï ngaï, au prospère. À tous égards. Et aussi, Pelisuso, naïe koukoumeraïe, awa. Je l'ai écrit encore ici. Verset 5. Le verset 5. Bien-aimé, Olingami, tu agis fidèlement dans ce que tu fais. Pour les frères. Tu le fais pour les frères. Tout ce que tu fais là pour les frères. Fidèlement. Tu le fais fidèlement. Fidèlement. Et ma frère Wana. Et ces frères là. Même pour des frères étrangers. Ils la pointe à bande de parce que la sœur est une sœur étrangère. Peut-être de comment si on a zali de comment. Elle n'a jamais vu Kinshasa ni Congo démocratique. Non, non, moi la Kinshasa t'es la Congo démocratique. C'est une sœur étrangère. Zali de comment si mon paya. Mais elle est fait aussi pour des frères étrangers comme moi. Je suis étranger par rapport à elle. Et puis, j'ajoute le verset. Lesquels, ces frères-là, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Et ce témoignage, en présence de l'Église. Nous avons un témoignage, un témoignage. C'était un témoignage public. Il a fait ceci, il a fait cela. Et ça, il y a des témoignages. Mais tu vas soutenir, tu vas faire ce témoignage. Nantinanaye. À son sujet. Et la Bible continue. La Bible est combien? Tu feras bien. Au Kosala, madame. De pourvoir. Yako Bongisa. Kokanisa. À leur voyage. Na mopembo na bango. D'une manière digne de Dieu. Parce que ce sont des voyageurs. Mais ils ne voyagent pas comme des riches. Mais ils voyagent pour les affaires du Père. Alors tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car ce n'est pas pour le nom de c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Et en partant, sans rien recevoir de païens. Tu ne peux pas laisser cette responsabilité aux païens des le frère qui nous a prêché aujourd'hui. Nani asia kanisi ata kopo moko ya fufu que
tozo ya mimi mupaya na kati ya assemblée alors badia ko po fufu yango na bon memera mwanzo ya frère qui a même déjà pensé à incompeler des propos. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. À ses frères là et ça bon côté. C'est pas comme ça, il continue de boiter. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Amen. Voyez-vous. Ne fût-ce que crédit, il y a un somme, il y a une unité. Il y a le crédit. Frère Dombé a dit que c'est le bien. Frère Dombé a dit que c'est le bien. Avec sa femme. Frère Kalele a dit que c'est le bien. Frère Kalele a dit que c'est le bien. Toujours profiter. Nous en profitons. Toujours dédouanier. Pareil, nous dédouanions. Est-ce que c'est mal? Est-ce que ce que Bango va recevoir de nous? Ce que Bango va y avoir autant de biso? Il dit, Père Lobby, tu feras bien de pourvoir à leur voyage. D'une manière digne de Dieu. Car ce n'est pas pour le c'est pour le nom de Jésus-Christ. Jamais allés pour un combat avec Christ. Qu'ils sont allés, qu'ils sont partis. Des bangos va kendaki. Et en alla. Peine à kokenak. Sans rien recevoir des païens. À cause des incrédits. Au tigre des bangos incrédits ils basent son gaga. Oh basana bande qu'on a bangos à wana kisa. Ils ont leurs frères. Basana bande qu'on a bangos bangos son gaga. Les bande qu'on a bangos ils engagent na yo. Mais leurs frères c'est toi et moi. C'est nous qui sommes les vrais Ndeko. Les vrais Bandeko et Zabiso. Les vrais frères, c'est nous. Pourquoi ils ne cherchent pas les frères Chanel et Tachesso? Pourquoi ils ne cherchent pas les frères Chanel et Tachesso? Parce qu'ils savent que les frères Chanel et nous. Tu vas les laisser des cailles. Au lieu de recevoir de nous-mêmes. Car Jambi, nous devons donc accueillir de tels hommes. Nous recevons dans nos maisons là. Est-ce que Baza Penza digne ya koyamba? Est-ce qu'ils sont, ils sont vraiment dignes d'être riches? Ce sont des flatteurs. Bazali ba pa kulima futu. Mwana nkasia ye oyambie. Mwana nokwa yake oyambie. Tata mwasi ayake oyambie. Me ba oyo. Mais ceci. Ba oyo ya nkolo. Ceci, c'est du Seigneur. De tels hommes. Batu ya mutindo. De batu ya koyamba bango wana. Des hommes, de tels hommes qu'il faut accueillir. De ba ange ya nzambe. Ce sont les anges de Dieu. Que la Bible nous atteste que quelques-uns ont reçu des anges sans le savoir. On t'accueille des anges. On t'accueille des anges. Les loger. Même les loger. Gabriel a été logé par quelqu'un ici sur la terre. Gabriel a été logé par quelqu'un Michael, un jour, au Soyoka, a baladé ça et un Michael, logement, Michael, a préparé le logement, mon repos, d'ailleurs, au deux jours. On a préparé un logement. Mais ces anges-là, boy, au Bazaki, logé. Ce sont des anges terrestres. Ce sont les anges terrestres. Les porteurs de la parole de Dieu. Du message divin. Du message divin. Voyez-vous, c'est comme ça que nous croyons. Alors nous devons. Pas nous pouvons. Mais nous devons. Ce n'est pas un pouvoir qui n'est que facultatif. Ici c'est un devoir. Le tombe. Il faut donc accueillir. Nous devons donc accueillir. Il nous faut donc accueillir. Nous devons donc. Nous sommes obligés d'accueillir. Banane. Qui alors? De tels hommes. À cause de quoi nous devons les accueillir? Pourquoi nous devons les accueillir? Il a fait d'être ouvrier avec eux. Alors, Nantine à cause de la basale et longue bango. Pour la vérité. Parce que bango bazali ba memi ya vérité. Parce qu'ils sont porteurs de la vérité. Et tant que yamba bango, okusunga bango na mibembo na bango, oko pourvoir na ndenge nyonso wana. Tu peux voir. Mais puisque savon ya kosukola. Mais puisque savon pour se laver. Voyez? Mais puisque moi parfait. Mais puisque parfait. Ne fût-ce que bambouma ya valise po bilamba, ezala te na solo moko boye. Ne fût-ce que hein? Mbouma ya valise obatia kawana.
Nous avons beaucoup de projets. Nous avons des gérants qui sont à la maison du roi. Tout ça n'a pas géré, il y a pas entreprise, il y a pas compagnie, il y a pas, il y a pas boutique. Des boutiques. Tout na moto. Chacun. Et puis on va kokuta osa géra. Et tu vas trouver. Tanga na mwa biloko nzambe apesa kiwa. Bilamba ndama bilamba osa nangu, ndama sapato osa nangu. Apesi o géré yango. Géré ya nzambe. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Il est n'abusé d'ali géra donc tokokende, tokosa la demande d'emploi. J'ai fait l'économie ou gestion, alors on peut engager dans la société. Non, j'ai rien à zolo bawa, ça y est, on a été. Ce n'est pas cela. Et ça, les gars, il y a moi, Bilamba, il y a Tagawana. Moi, bon, il y a aussi Mbawana, vous avez Gera. Tu es Gera. Il y a Zambi, ça y est. Au Koutaka, Mwawa, Zambi a confié Yoyango. Vous avez Gera. Tu es Gera. Une fois ceux qui ont participé au Sungika bateau, ils ont besoin de paix. Une fois, ils ont besoin de paix. Ils ont pouvoir de voyage. Pourquoi y aller en voyage? D'office, ils ont comme ouvrier avec eux. D'office, tu deviens ouvrier avec eux. C'est comme dans la prière du Seigneur, dans sa requête, demander au maître de la moisson. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et les ouvriers, tous sont des prédicateurs. Mais ici, celui qui aide ces gens-là, a comme un ouvrier avec eux. Il viendra aussi ouvrier avec eux. Nous ne cherchons pas l'argent. Si on cherchait l'argent, parce que l'argent est cotisé ici. Même une partie de la terre n'était pas encore achetée. N'était pas acheté. Eliam. Mais si vous voyez quand même, c'est la grâce de Dieu. Ils pour les gens, il y a des gens qui ont besoin. Nous avons le souci que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Prions. Yonde ozali tata na biso. Diloba nzambe ezali kambo ya kokakola te. Yakutambula enge bene na yango. Matondo mingi. Uzali nzambe moko ya solo. Ujali musumba. Uyebi penza kolakisa na batu njela ya mapambuli. Obomba kati. Soi moto apambula mite. Soi tozo pambula mate. Zabiso moko. Mais yo, tali sakabiso, salaboye, okopambula. Salaboye, okopambula.
Ezra mapamboli, ya elimu ezra mapamboli, ya nzoto ezra mapamboli, ya misala maboko, utali sakabiso, njela ya kulanda, mbona kuzwa lipamboli. Yena nyoso sukisa, ezra kotosa dirubana yo. Pesa ngai botosi ya dirubana. Soko fungolinga mato inayoka, ezra ipo nandima, Ezaite na yoki pe na boy kondimi. Te, kondime uti na koyoki. Ebe, nasi na yoki. Tukwa na yoki, nandimi. Pe, tukwa nandimi na tos. Yomu to ufunguli nga matoi po na yoki. Ufunguli pe motema, opesi nga ipe kondimi, nandimi. Siko opesi nga ipe makoke, ya kubiki na yango, ya kotosa, ya kuchia jiroba kati na musa. Simingi. Onja. Ozwa nkembo. Lukumu. Mpe masanjo. Pambate yoreki ngai musika. Mpe yoreki bisobazo. Elogo ya kukakula ezate na liroba na yo. Makambo yorobi ezaya solo. Tuyebike Profesie kukisa maki na misu na visu. Na uyu itali pandemi. Corona, peste. Usakula angona katia Biblia. Me, makamu maike, mazaki, stansione, frene, bloke, akoze ya corona, misala bana, izai kutambulate. Me, malgré cela, yoyo yebaike na moma oyo, bana na yo, tukubika, na ekeke yango na periode yango ya pandemi mondiale yondo zo pouvoir pona ba oyoti na kati na biso bana toyeba kozongisa yo en realite na ino moto adefisa yote po yo zongisa yo esala makate po biloko nyonso moto akozwango ezaya yo yo zai mo pesi na biloko biso yondo okozuisa biso dans l'abondance, peut tout se faire. Alors, nani a gougou kabela yo? Azate? Azate? Ya bilogo na omoko. Ako mona jaburu, ako yo koutoumi sabiso. Ebele boy. Et puis, me ebele yo, e utuwa. Yonde opesa inga yango. Soki na zongi serio. Seigneur, kondima, kundima idaka kulubate mkolo tala abrayama. Mwana mboko ya likinda. Yo sengika mwana wa. Mwana ngu yonde opesa ki. Pe olubi, pesa nga iye. Boma ye. Pe olubi, Nazoya na iye, na bonzela yoye. Bambeka ibele oyo, yo sengite. Kaka mwana mboko yo, nazoya na iye. Nakubu ngayi nakubate na iye teke, oh senye, outuko pesa nga ika mwana kasiko yo, mwana ngoza hika mwana mukia kwele ta wakula toli nyoboto na ngayi na mwani ya taba koko te na hako memera yo yezera. Se kwa msa senye ila ubeyi ya mwana mkolo timuwea shepe ya mwuse na iwa de frank isa ya solo ebu ito mwani tomwani benediksyo tomwani yango oh grand dieu se la pepi songolo. Baza ba homme de la même nature que nous. Oui, baladi obenzo toyo, bazaka na babo senga, jabuluka moko, ako tante pe bango, azeko tante bango, ako tante biso. Sere biso ngolu, toyo ka ba raisonnement diabolique te, mais toyo ka la voix du bon berger. Tondi mango, pe toti ango na Musa. Musa liwayo, opambula ye. Opambula, mulimboli. Rongona balimboli basi. Opambula, deko nyosu ya mbubali. Denge mogo, deko nyosu ya mwasi. Biso baso, antuka na mpoko alelo, topambula. Tososoli, tuzaba jiran. Oui, Seigneur. Tosi, tusali, metukumi na sukate. Koba. Donge, musala, ekweko tele mabuite. Tolingi tomona achevement ya œuvre oyo.
Et toute capacité vient de toi. Pour bénir tout un chacun. Et tout un chacun aille ma courandre yo. Oh ya yambaki de toi. Merci. Alors, nous avons un abisso. Et j'en souhaite na yo. Souhaite la parole. Je souhaite. Nous avons souhaité mon abisso. Mon abisso a prospéré à tous égards. Et à Zala, bonne santé. Dengue et qu'on prospère état de son âme. Merci beaucoup. Mais tout bon sanaté, pour voir, pour une œuvre, pour une veuve, pour une orphelin, oui, pour une diminuance. Merci beaucoup aux anzans. Je vous en prie, 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 amen. Te kalingomba toloba amen. Pe alléluia. Toko vanda. Oui, frère, ko vanda. Na kanisi eza polele. Diloba nzambe lisali ngai bien. Senga problema koki ya kobikela yango. Mpe ndima ke nzambe ase apesio makoki. Okomona yango kokokisa. Je voulais te coutana l'obilo koya. Bon, mon ami Kolele Kebele, nazo mona fare a fare te aigle allemand, alo posa moko et la kingaïke, soubizambe a fongoli e kouke, na koka ko bemba, alo l'obilo liki, na kendeki ko depose, demande et avisa, boko kwape ko kanisa. Ce qui va être accordé. Et puis, tu as le deuxième témoignage, ticket, mon ami. Et tu as le visa. Mais, non, il y a une nullité. Beaucoup de gens ne sont pas bons. Libouta, il y a un déconabisso. Ambroise Saïdi Pondolo. Disali Kozongi, c'est la Kolo Matondo. Nasima Yakopesa. Yemu Salamoko. Awana Kinshasa. Zambi. Moussala Oyazwa Kaliboso. Ezala Kiko Kendena Est. Kuna bitumba mikakatano ebele me azaika kokende tango kontrawa na esili azunga na Kinshasa menzambe asungie azwape musala mususu ana Kinshasa alobi yanongo ya musala epesa misima.